Ouais, mais il est pas mort. Quand je me fais 2-1 puis je suis P3 ou P2 en fait. Bah, monte. Ouais. Zeven, y'en a plusieurs, des kills, y'en a un peu moins. Mais comment il fait ça? Il est mort. C'est moi, je suis Kitiat, on se retrouve pour une petite intro sur Vanadia, et du coup dans cette intro je vais vous dire 2-3 petites choses assez importantes. Donc premièrement, bonjour à ma nouvelle commu, en fait c'est une de mes premières vidéos sur Vanadia, une vraie vidéo. Du coup moi je fais plus du PVP, etc. Bref, j'imagine que vous avez vu cette vidéo là parce que je l'ai pub dans le chat, je l'ai pub sur Discord, etc. Donc ben voilà, bienvenue à vous, si vous êtes intéressé par les gens qui font du fight, du trapping, etc. Ben allez voir ma chaîne en fait, je vais plein des vidéos par rapport à ça. Bref, on s'en fout de mon auto-promo. Ensuite, Vanadia en fait, je compte faire beaucoup de changements sur ma chaîne. Donc premièrement, merci à tous ceux qui l'ont vu. Mais j'ai live mercredi, donc j'ai live au Vanadia Tournament. J'ai apprécié ça, c'est la première fois que je fais des lives sur toute ma chaîne, parce que j'avais pas la cour ni le PC pour avant. Mais maintenant je l'ai, donc j'ai sûrement commencé à live un petit peu plus souvent. Donc j'aimerais ça que vous soyez au rendez-vous quoi. Mais j'ai quand même réussi pour mon premier live à faire des pics à 40 qualités environ. Fait que vraiment ben merci à Vanadia, merci à vous les mecs. Mais du coup je compte sûrement relive ce week-end pour le Vanadia Tournament de samedi dimanche. Donc juste avant je relive, bref je vais voir, mais activez la petite cloche si vous voulez être informé. Mais ensuite je compte changer beaucoup de choses. Sur cette vidéo ça va pas changer, mais normalement je compte faire des intros beaucoup plus courtes qu'auparavant, parce que souvent je faisais des intros trop longues pour rien. Bon, cette vidéo là je vous explique tout, donc elle sera quand même assez longue. Ensuite je compte aussi faire beaucoup moins de présentations qu'avant, parce qu'en gros j'ai faisais beaucoup de présentations pour changer mon PC. Mon PC j'ai réussi à le changer grâce à ma chaîne, et j'ai 100% payé mon PC grâce à toutes les présentations que j'ai faites. Du coup ben voilà, merci beaucoup merci à ma chaîne en fait, tous ceux qui sont encore là pour regarder mes vidéos, liker, etc. Ben merci beaucoup à vous. Mais du coup je vais vraiment arrêter d'en faire, j'en fais le moins possible, parce qu'il y a énormément de gens qui m'ont dit qu'ils trouvaient ça chiant voir une carte des présentations. Moi-même moi-même, en fait, j'ai plus le goût d'en faire, quoi. Donc, sur cette vidéo-là, c'est un petit détail. J'ai eu plusieurs contrats depuis plusieurs mois. Donc, ce contrat-là, j'ai pas pu l'annuler. Je vais quand même le faire, mais inquiétez-vous pas, sur les prochaines vidéos, il y aura beaucoup moins de présentation. Ensuite, juste avant de vous laisser avec la présentation et ensuite la vraie vidéo, le titre, la miniature, etc., il y a un mec qui m'a fait un don hier. Donc, du coup, il m'a dit d'ouvrir un record. Donc, voilà. Je vais recommencer à vous apprendre l'habitude d'ouvrir mes dons en record. Donc, I love Z. Oh, putain. D'accord. Il m'a dit que c'est un gros don. 5 tabarnak. Un vanadium. 5 plus. Ok, bon, ben, merci beaucoup. Coup, I loves, désolé ton pseudo mec qui est chelou, mais gros c'est merci beaucoup mec. Allez. Et ensuite, pour tous ceux qui me connaissent déjà, ben comme d'habitude, je vais faire des concours. La dernière vidéo, en fait, la vidéo présentation de soeur, je faisais gagner un grade roi. Du coup, ben bim, GG à toi, mec, t'as gagné le grade roi. Et sinon, ben je vais gagner à nouveau un grade roi. Donc, si vous êtes intéressé à participer, c'est pas compliqué. Faut seulement liker, s'abonner et puis commenter. Vous commentez votre pseudo et puis c'est tout, en fait. Donc, voilà, vous faites les trois étapes que je viens de vous dire. Comme ça, vous courez la chance de participer pour faire gagner un nouveau grade roi, en fait, que je vais faire win dans mon prochain record. Du coup, ben voilà, écoutez mon prochain record, il sera upload, je sais pas quand. Activez la cloche au pire, et puis moi je vous laisse avec la présentation de savoir. Du coup, c'était Kitkat, et puis ciao ciao les jeunes. Re les mecs, on se retrouve sur dans Minecraft du coup pour vous présenter leur petit serveur. Donc juste pour préciser, le serveur c'est un Vanilla, il y a quand même pas mal d'informations, pas mal de nouveautés plutôt pour un Vanilla. Mais le serveur du coup pour se connecter c'est avec une IP, c'est pas un launcher. Et donc l'IP, leur site, etc. Toutes les informations est dans la description. Donc si vous êtes intéressé à venir, le serveur va ouvrir samedi à 15h à faire. Et puis du coup je vais essayer de vous présenter le serveur le plus rapidement possible parce que je veux pas que ça prenne trop de temps. Sachant qu'il y a quand même pas mal de nouveautés, mais il n'y en a pas 10 000 non plus quoi. Donc voilà, je vais essayer de vous présenter ça assez rapidement pour pas trop vous faire. Donc, je vais commencer tout de suite par vous montrer les nouveautés. Donc, prenons ici un stocker de liquide qui se craft comme ça. En fait, c'est un stocker de liquide, c'est logique. Tu peux stocker de l'XP, de l'eau, de la lave, etc. Je trouve pas ça si utile que ça. Bah, à part pour l'XP, ça peut être très utile. Ça ici, c'est un item assez rare, on peut dire, mais qui mine tout un chunk de coup. Donc, du coup, pour faire les bases, ben, c'est très rapide. Pareil ici, il y a des pioches 3x3, des pioches 5x5. Donc, pour aller faire des bases, c'est assez rapide de construire une base claim. Ici, pour le farm, en fait, il y a un nouveau type de farm comme sur Vanadia. En fait, c'est des farms en damier, genre des farms melon et citrouille, tu peux faire des farms automatiques avec ça. Sinon, ça, c'est ou pour là, en fait, ça récupère toutes les cultures dans un chunk au complet. Du coup, ben voilà, ça récupère tous les items du chunk. Ici, un petit tout, quand tu replantes, ça, ben en fait, quand tu récoltes, ça replante automatiquement les cultures. Et puis ici, une épée légendaire qui donne force 1 et speed 3. Parce que d'ailleurs, le force 2 est désactivé sur le serveur, parce que sinon, c'est un petit peu trop OP. Donc voilà, il y a juste force 1. Ensuite, ici, comme un petit peu sur du HCF, il y a des classes différentes. Donc par exemple, il y a la classe archer qui donne speed 3, résistance 2, et les arcs font 2.5.
ben, x2.5 de dommage, classe mineure pour miner. Ici, ça évite le pay to win, en gros, les spawners sont récupérables à la seal touch, donc vous avez 20% de chance de les récupérer. Ensuite, si on fait ça, boutique, un petit peu comme tous les heures maintenant, sont anti pay to win, et puis ben, farm to win, je veux dire. Et si tu vas ici dans les tokens, c'est des points boutique en fait, des tokens, mais ils sont aussi achetables in-game, donc tu peux acheter par exemple 250 000 de money in-game contre 1000 tokens, et ces tokens-là, ensuite, tu peux échanger contre tous les trucs, donc tu peux échanger ça contre des grades, tu peux échanger contre des spawners, tu peux échanger des tokens contre n'importe quoi qui est achetable sur la boutique. Du coup, ben, ça évite largement le pay to win. Sinon, ici, le psy est pétable avec 20 coups de TNT ou 10 coups de creeper. Ici, il y a du stuff optimal, surtout au marché noir et tout, c'est écrit juste là, mais du stuff P5U4 ou du stuff P7U6, donc vraiment pour PVP, ça va faire un petit peu chelou. Sinon, ici, des trucs juste basiques pour aller PVP, des patates, non, pas des patates, des carottes de force et des cookies de speed. Du coup, voilà, vous êtes pas con, vous savez ce que ça fait. Ensuite, sinon, qu'est-ce que je vais vous montrer? Donc, il y a Warkboss, en fait, je trouve ça assez intéressant, je vais vous montrer ça. Donc ici leur box, pourquoi je trouve ça intéressant en fait, parce que toutes les box sont achetables au slash boutique ou achetables ben, directement avec de l'argent IRL sur la boutique. Vous obtenez des grades ou sont de l'argent PayPal sur leur boutique. Donc ils m'ont montré leur dans les box, je veux dire. Ils m'ont montré sur les pourcentages de chances pour win ces montants-là. Ils sont quand même pas si dégueulasses que ça. Genre certains serveurs mettent des box comme ça pour win des lots, puis les pourcentages sont genre 1%. Mais ici ils m'ont dit qu'ils étaient quand même assez haut. Ils m'ont dit le pourcentage, je me souviens pas exactement, mais c'est pas des trucs 1%. Genre des trucs à 5% ou 7% des crédits genre. Du coup c'est assez bien pour win. J'espère juste qu'il y aura pas de problème de dupli ou quoi avec ça dès l'ouverture, hein, c'est un petit peu con, mais bon voilà, je trouve ça intéressant de montrer ça, qu'on peut win des PB, ben, de l'argent IRL avec ça. Sinon pour finir, si vous faites slash warp, en fait il y a plein de différents types de warp, en fait tous les nouveaux warp, et puis juste un warp que je vais vous montrer, c'est le Dawncurl. En fait c'est un nouveau event inédit que je vais vous montrer, mais sinon ben logique, un warp minage pour éliminer, warp cottage et totem pour ben voilà, c'est deux events différents. Ou sinon il y a un petit warp attends, c'est quoi déjà le nom du warp? Warp arène PVP en fait, et ça c'est un warp justement, c'est une arène PVP, vous êtes pas con, mais il y a pas de moins de back à part avec les slash home quand t'es plus en combat. Et sinon ici le Dawncurl, en fait c'est pas compliqué, il y aura un cristal qui va se prendre ici, le but tout le long c'est de taper le cristal, et quand le cristal sera down, et ben il va casser, et puis ça va donner l'item à la personne qui va donner le dernier coup, ça va donner plein d'items achetables à sa boutique, donc des spawners, des grades, des kits, etc, ça va donner un paquet d'items. Du coup ben, ça va être un event ça va être leur event principal sur le serveur, sachant que j'ai jamais vu ça en fait sur d'autres serveurs, ben c'est presque inédit, j'ai peut-être déjà vu ça une fois ou deux, mais genre c'était différent en fait. Ici c'est différent des autres serveurs, parce que c'est pas exactement pareil quoi, c'est le but du mot différent. Bref, moi je vais vous laisser, ça fait 5 minutes que je prends de votre temps, donc voilà, petite présentation du petit serveur d'Handcraft. Encore une fois, toutes les informations est dans la description, donc leur site, leur Discord, etc, tout ça, IP, description. Donc si vous êtes intéressé à venir, c'est samedi à 15h à faire, donc moi je vais vous laisser avec la vraie vidéo, c'était Gatecat, et puis ciao ciao les jeunes. Moi, je suis pas nul, fait que je vais attendre 30 secondes avant de me TP. J'attends que le monde se TP. TP1 et Sexdog, j'arrive, tout le monde. TP1. Ok. Sexdog, on se TP tout salut pour PVP. Ouais, exactement. J'ai TP le Guy. Il y avait ici. Moi, je suis pas nul, fait que c'est pour que je me fais niquer. Mec, ils sont sortis de je sais pas, les manches. J'étais tranquille, faut fermer les mobs. Ouais, mais fallait pas aller maintenant. C'est bon, on est sur. On gagne beaucoup plus que. On est beaucoup plus que. Oh les gars, on s'est TP. J'ai fire, moi. On s'est TP. Il fire ici, perso. On s'était pas à 12 les gars. TPS qui 4. Yo. C'est bon, TP. Je sais pas, il est partout, je suis sur Cobra là. Il y a un arc punch. Ouais, c'est Cobra. J'ai fait un Rizzy donc c'est bien. J'étais en 2v1, ils sont tous. Ouais, la durée prend pas du temps. Il essaie de debuff, il essaie de debuff. Moi je veux juste récupérer mon. On a eu, on est trop sale. Attends, laisse-moi passer devant, je vais essayer de mettre une debuff moi aussi. Moi aussi j'en ai, t'inquiète. Moi j'ai 4 debuffs. Go. C'est bon, j'ai debuff, c'est bon. J'ai combien tout en bas, j'ai combien en bas. Il est P4. Ouais, il est P4, ouais, platine, ouais. Hein, il est platine. Il est chop, ah non, il est pas. J'ai posé de shot. Parfait, quelqu'un l'a vu. Demande, j'ai KB en bas. Non, pas tout en bas. J'ai des KB1, donc je m'occupe de le KB en bas. Le truc, c'est qu'il y a un event dans 2 minutes. Mais bon, moi je dis, on continue de tryhard. Ouais. Les events, il y en a plusieurs, des kills, il y en a un peu moins. Mais comment il fait pour... TP moi. Il est mort. J'ai le P4, je crois, j'ai le P4. C'est moi qui ai le proposé. Ok, donc les mecs, on a obtenu un petit P4. Désolé, c'était d'abord en vocal, on est comme 8 en vocal. Mais bon, hein, thanks pour le P4 platine. Moi, je laisse avec une petite autre séquence. C'est où ça? Bon, les mecs. Est-ce qu'on leur sort de parler dessus, non? Oui. Faites comprendre à la Destiny ce que c'est que le multi. Donut de nos forts, l'oublie pas. Moi je leur sors dessus du coup. Moi je t'invoque en vêtement. J'en ai KB2, j'en ai KB1, j'en ai KB1, j'en ai KB1. Non mais attends, faut que je marque. 4, tu peux me TP que je récupère mon stuff, j'avais massé P2 les gars, j'ai du P2 les gars, vous êtes sérieux? Non, j'avais P2, P3 moi avec une T4. Merde, j'ai mon stuff. Merde, c'est pas mon stuff. Mon stuff il était là. TP vous alors.
À qui? Ils sont en 4 au moins. J'avais des gapels, les gars. Ils sont où? Oh, là, c'est vous. Pas en bas. Ouais, je sais qu'il y a un gars là, il y a un gars là. Il y a Feuerman, Feuerman. ATP, Ketiat. Mais non, c'est moi, je suis sur Feuerman. Comment il a KB2 sur son épée, le cancer. Un KB1. Les gars, help, il est P4 sur moi, il est P4. Ah, je suis mort, je suis obligé de mourir en fait. Ils sont tous P4. Ils ont tous P4. Il est en bio, il est en mieux, il est en bof. Hein. Ouais, mais il est pas mort. Les gars, je me fais 2v1 puis je suis P3 ou en P2 en fait. Bah, monte. Tout le monde en bas. Tout le monde en bas tout de suite, s'il te plaît. Ok. Tout en bas, ils sont là. Fireman aussi. Ouais, je l'ai pas de Fireman. Il back en fait, il back à moitié. Putain, ils ont des arc punch et tout, je les mecs. Tensez-vous. Jérôme, je le poste. Arrêtez de la taper. C'est bon, je l'ai eu. Ah, lui, il va drop. Hein. Je te dis, le gars de la Destiny, il va. Il a le mal. Bon, allez, on ferait peut-être remonter. Que ça doit être ça dans la technique. Salut, bonjour. Bon, fight à vous. Trompez-le à coup de fire. Ils n'ont pas compris comment faire les vins de son con. Y'a personne qui joue ici, personne qui fire. C'est bon. Y'a 5 endroits qui mettent. Putain, mais je joue full poison ce bâtard. Je peux venir, guys. C'est normal, il est pas. Y'a poison, toi ici, mon gars. Putain, bah ouais, y'en a combien? Bah, il est dans l'angle, il bouge pas, les mecs. Pas le mot, t'es plus mort. J'ai poison. Parfait. Il a plus de pomme, je crois. Il va drop, il PVP parce qu'il va drop, il PVP parce qu'il va drop. Il va pas me chier, t'es sûr que t'es mort. Il est mort. Bon, ça va. T'as eu quoi l'autre? Keroz. Salut Keroz. Salut PD. Kevin screen to play. Attends, mais t'es plutôt en ligne. Je tape. Hop. C'est qui lui? J'aime c'est pas. C'est Keroz. Mais vas-y, casse-toi, il va faire un screen, espèce de cyste. Je baisse au screen.